premier lauréat. First prize winner, first prize winner this year, we go to Tatipa Plus in the Philippines. So people who are really remote from healthcare centers, they can have teleconsultation via smartphone and tablets. And thanks to the application for healthcare coordinators that come out from the communities where they work. Thank you. The project is called Atipan Plus. Atipan is a native word. Notre projet s'appelle Prendre soin de soi. It's actually a telehealth program to remote indigenous and rural low-income communities in the central part of the Philippines called the Western Visayas region. Donc la vidéo est sous-titrée en français. Small communities that are subsistence communities, so they occur very far from the cities and they're very poor and marginalized. So in those places where they dwell, there are no healthcare facilities and it takes a while to like get to their community sometimes. So we established this telehealth program so that they can do their healthcare within the locality. Healthcare is very easy to access now, and they don't have to go travel long distances to get healthcare. I think our community healthcare coordinators were like almost the heart of our telehealth program because they were community leaders and then they were the ones leading the, you know, the facilitation of the telehealth. So I think maybe this is the reason also it became very successful because we already had somebody who was highly trained and who was trusted by the community. By around the end of our first funding, we attained a very high number of telehealth consultations, and I think this was mainly due to the, you know, the healthcare coordinators. Voilà. Plus, et c'est Pia Regina Fatima Zamora qui va nous rejoindre et qui nous fait l'honneur d'être des nôtres aujourd'hui pour recevoir ce prix. Voilà. Je vous donne un micro en temps. Voilà, Pia. Toute première question, qu'est-ce que ça vous fait d'être venu tout de même des Philippines? Alors pour nous, c'est l'autre bout. Ah, pardon. Sorry, you have time to put it. Don't worry. Is that okay? Yes. Pia, je vous posais cette question. Pour nous, les Philippines, c'est l'autre bout de la planète vu d'ici. Qu'est-ce que ça vous fait de venir jusqu'à cette fondation Pierre Fabre, à Lavore, près de Toulouse, en France, pour recevoir ce prix? First and foremost. Alors, tout d'abord, c'est valorisant pour notre centre et en même temps pour notre communauté de partenaires. Ça nous donne l'idée que nous allons dans la bonne direction en termes de santé numérique et d'accessibilité. De ce projet repose sur, donc vous l'avez dit, sur les coordinateurs de santé qui sont directement issus des communautés. Pourquoi est-ce que vous avez effectué ce choix et comment sont choisis et formés ces coordinateurs? Nous voulions travailler avec les communautés. Donc, nous voulions, pour pouvoir travailler et bien faire les choses, nous avions besoin de coordinateurs de la communauté parce que eux connaissent la langue, ils connaissent les obstacles socio-culturels et ils sont choisis par les dirigeants de la communauté. Certaines de ces communautés
ont des résolutions particulières, ils tiennent des réunions et ils veulent les choisir. Nous avons nos propres critères également, mais nous les indiquons aux leaders des communautés comme guide, disons, comme indication. La plupart de nos médecins doivent savoir parler du moins le dialogue, hein. L'anglais, bien entendu, est requis, mais la langue locale est importante. Formez-vous ces coordinateurs de santé? En fait, nous les amenons chez nous. C'est beaucoup plus facile et moins onéreux de les faire venir à la ville où nous avons le centre. Donc on les forme, ils font partie de l'équipe en quelque sorte qui étudie les données. En même temps, nous les formons sur l'utilisation de notre plateforme et base de données. Et nous avons également les communautés de peuples autochtones et des communautés rurales également. Et nous faisons un travail de sensibilité culturelle à ce sujet aussi. Et donc, nous, en plus de former les coordinateurs, nous formons les médecins. J'ai déjà mesuré l'impact d'Atipen Plus sur la santé des communautés auxquelles vous vous adressez. Okay. En fait, ce n'est que la pointe de l'iceberg. On n'est là que depuis 2 ans. Au début, nous avons pu fournir un accès aux soins de santé avec aux communautés. Ensuite, on a commencé à travailler en tant que centre d'appel, mais pour pouvoir durer, pour pouvoir fonctionner sur la durée, il est important que les communautés soient intégrées, qu'elles en fassent partie. Bon, ça c'est une chose. Vous pouvez répéter la question. De l'impact, en fait, sur la santé des habitants de ces communautés. Okay. Okay. Donc, les communautés ont pu avoir un accès aux soins de santé. Cela a été montré dans la vidéo. À la fin 2023, c'est-à-dire au bout de 2 années du projet, il y avait plus de 7000 bénéficiaires. Donc, ces bénéficiaires sont des communautés elles-mêmes, des communautés partenaires, et certaines des communautés qui n'étaient pas à l'origine des communautés partenaires ont entendu parler de nos services et se sont rapprochées des coordinateurs de soins de santé. Et donc, les services ne sont pas limités aux communautés partenaires, parce qu'il y a d'autres régions qui sont mal desservies et qui... et auprès desquels on peut agir également. Bien que nous n'ayons pas fait d'études formelles à ce sujet, on a reçu des témoignages, surtout pour les peuples autochtones, tout particulièrement les Hati. Normalement, ils souffrent de discrimination. Ils sont victimes de discrimination. Et ils hésitent à aller consulter un médecin. Et donc, cela est un obstacle pour leur accès aux soins de santé. Et parce que parfois, les services de santé sont près des communautés, mais ils ne veulent pas y aller les utiliser. Et donc, ainsi, ils ont pu consulter un médecin et de façon confortable, en restant dans leur communauté. Donc, accès aux soins de santé et les données, finalement. Voilà, ces 2 dernières années, voilà, nous avons déjà des données que nous pouvons utiliser pour planifier les ressources.
d'évolution de la société par la technologie est totalement lié. Bravo pour ce projet Atip N+. Et pour remettre ce prix, j'appelle tout de suite le docteur Bunshai Dayin, le réseau asiatique d'information sur la e-santé. Venez nous rejoindre. Voilà, on peut l'applaudir. Je lui donne un micro. Alors, it's the first one. This one. Et au passage, d'ailleurs, docteur Bunshai, je le disais, pardon, Eyin, pilier, partenaire de longue date de cet observatoire, pourquoi ce partenariat, en quoi il est important pour vous? Vous voulez dire le partenariat avec la Fondation, n'est-ce pas? Oui, mais je pense que ce projet est un excellent exemple de la mission de la Fondation et les personnes qui n'ont pas l'opportunité de recevoir des soins de santé. Il est important que cela change et qu'elle y ait accès. Ce projet prouve que l'on peut utiliser la technologie numérique justement pour... donner des opportunités égales et fournir des soins de santé. Ce projet bénéficie aux personnes qui en ont besoin et il a été démontré, enfin, ce qui a été démontré, c'est la mission de la Fondation et en même temps l'utilité de notre réseau qui doit utiliser la technologie pour bénéficier aux soins de santé. Donc, vous l'avez bien résumé, il ne s'agit pas uniquement de technologie, il y a la sociologie, il y a les personnes, il y a les médecins de la communauté avec leur rôle. Et il est important de sensibiliser les personnes sur les opportunités qui s'offrent à eux pour qu'ils puissent bénéficier de services de soins de santé. Mais comme cela a été dit, ce n'est que la cime, la pointe de l'iceberg. Et il est important que tout le monde travaille en coopération étroite. Voilà pourquoi les personnes intermédiaires, les coordinateurs, sont des personnages importants. Et il est important d'intégrer les personnes dans la communauté également. Et j'ai posé la question, comment les choisissez-vous avec des entretiens et ils arrivent à un consensus. C'est vraiment une solution parfaite et vous méritez ce prix. Venez ici voilà, devant pour qu'on puisse prendre des photos avec les logos derrière. Voilà. Et vous êtes rejoints par l'ensemble de l'équipe. Voilà. Petite séance de photos rapide, sans les casques. Voilà, et on peut les applaudir pour ce prix, donc remis à Atip N+, projet développé pour des communautés un peu isolées des Philippines. C'est bon pour la photo ? Ouais, super, merci beaucoup. Thank you very much to all of us. Restez, please, stay with us, Pia. Restez avec nous. Et des Philippines, je vous propose à présent de mettre le cap sur la Thaïlande pour notre deuxième lauréat, le projet ELSTAG. C'est un dossier de santé virtuelle implémenté dans 3 hôpitaux. Et sa particularité, c'est d'utiliser la blockchain pour garantir la sécurité des données patients. On découvre ce projet tout de suite en images. HealthTech is a groundbreaking initiative that leverages blockchain.
Cette vidéo est sous-titrée en français. Three healthcare infrastructure that integrates all stakeholders in the healthcare ecosystem, including hospitals, healthcare providers, patients, and healthcare technology platforms into a single platform. This system enables seamless and secure sharing of healthcare information with high levels of privacy, trust, and transparency, putting patients at the center and ensuring interoperability across the ecosystem. And this innovation solution addresses the fragmented nature of healthcare data, not only in Thailand, but globally. HealthHack has a significant impact on the healthcare landscape by empowering patients, streamlining workflows for providers, and fostering a data-driven ecosystem. Patients benefit from secure control over their health data, enabling informed decisions and improved care coordination. Healthcare providers gain access to comprehensive patient records, facilitating accurate diagnosis, efficient treatments, and reduce administrative burdens. Ultimately, HealthHack contributes to a more connected and effective healthcare system, supporting the future of healthcare and improving health outcomes for all. Voilà, le projet Elstag. Pour recevoir ce prix, on accueille le docteur Deshawat Pramda, qui est venu de Thaïlande pour, jusqu'ici, voilà, à la Fondation. Je vous donne... Ah ben voilà, vous avez déjà un micro. Félicitations tout d'abord pour ce prix, docteur. Moi, j'avais une question, peut-être vous semblez stupide, mais on comprend l'intérêt de la blockchain pour garantir la sécurité des dossiers, des données qui arrivent dans le dossier patient, mais est-ce que le patient, lui, est vraiment sensible à tout ça? Est-ce que ça compte pour lui? Again, please. Pardon. Alors, attendez. Can you ask me one more time? Est-ce que vous pouvez répéter? Oui. Alors, est-ce que cette technologie blockchain a un impact important? Est-ce que c'est important pour le patient? Oui, enfin, le patient, la technologie n'a pas d'importance, mais nous essayons d'utiliser cette deep technologie. Mais parce que les patients peuvent utiliser leur smartphone et se connecter directement au réseau blockchain. Nous utilisons la technologie blockchain précisément pour créer un environnement, un système sécurisé, parce que c'est très sûr, cette technologie. On peut contrôler, garantir la confidentialité et contrôler les possibilités de piratage. Le patient n'a pas à savoir ce qu'il y a tout derrière. À ces données, qu'est-ce qu'il peut vraiment faire sur ces données? Parce que ce sont des questions qui se posent ici aussi. No, one more time, please. Alors, il n'a pas entendu la traduction. Pouvez-vous répéter? Vous avez dit dans cette vidéo que tous les patients peuvent avoir accès aux données. Qu'est-ce que moi, patient, je peux faire avec ces données? Est-ce que les patients véritablement utilisent cette opportunité d'avoir accès aux données? Les patients peuvent contrôler l'accès aux données dans différents hôpitaux. Et ils peuvent donner l'autorisation aux prestataires de santé
l'autorisation d'accéder à ces données. And quel est l'avantage pour l'hôpital? Est-ce que c'est un avantage concurrentiel par rapport à d'autres hôpitaux? Okay. Alors, en tant que médecin, j'ai une expérience directe des difficultés que me posent des données fragmentées, par exemple, des données incomplètes sur le patient. Voilà pourquoi j'ai créé ce type de technologie, justement, pour limiter ces problèmes, pour renforcer l'efficacité du service des prestataires de santé et pour résoudre ce problème de données incomplètes, de données fragmentées à disposition du patient. Donc c'est positif. Du système. Et pour vous remettre ce prix, j'appelle Nicolas Mainetti, qui est directeur régional de l'AUF Asie-Pacifique. L'AUF, je rappelle, on peut l'applaudir, hein, l'agence universitaire de la francophonie, partenaire de longue date, elle aussi, de l'Observatoire de la e-santé. Voilà, Nicolas Mainetti. Quel regard vous posez d'ailleurs sur ce projet, Elstag? Merci. Donc déjà, félicitations aux acteurs de ce très beau projet. Et comme vous l'avez rappelé, je travaille en Asie-Pacifique pour l'AUF et je pense que c'est aussi un témoignage et un très bon exemple du dynamisme et de la capacité d'innovation de cette région. Donc c'est pour moi aussi très important. Pourquoi venir aujourd'hui ici à l'AUF remettre ce prix? Pourquoi ce partenariat, je disais, depuis quasiment le début de l'Observatoire de la e-santé de la part de l'AUF? L'AUF, l'Agence universitaire de la francophonie, c'est le premier réseau universitaire au monde avec plus de 1000 universités membres dans 120 pays. Et donc on est un collaborateur ou un très régulier de la Fondation Pierre Fabre, en particulier en Asie du Sud-Est avec des projets comme Réseau Mekong Pharma. Mais nous animons aussi des réseaux de doyens de facultés de médecine ou de pharmacie, tels les réseaux CIDMEF ou CIDPharmEF. Et donc on est bien évidemment aussi très concerné par la problématique de la e-santé dans les pays du Sud. Et en particulier, c'est un thème que nous allons évoquer également lors de notre assise internationale de la francophonie scientifique la semaine prochaine, que je vous invite à suivre en ligne par ailleurs. Merci beaucoup, Nicolas Mainetti. Je vous laisse remettre. Venez bien au centre de la pièce cette fois-ci, la scène, qu'on puisse remettre ce prix et qu'on puisse faire une photo en enlevant. Yes, if you can take off your headset, just please take it off. De remise de prix. Merci. Just stay with us, please, doctor. Je suppose, on arrive à l'issue de cette matinée, mais je suppose que vous aussi, vous avez certainement quelques questions à poser à nos lauréats. Je vais regarder du côté des internautes aussi, s'ils ont des questions à poser. Il nous reste quelques minutes, c'est le moment de les interroger, si vous voulez. Voilà, un premier bras qui se lève là-bas. On va vous adresser un micro tout de suite. Bonjour, monsieur. Ouais, c'est une question pour Elstag. C'est pour savoir quels sont les moyens d'authentification en fait des patients. Alors, attendez, le casque n'était pas branché. On va répéter la traduction. I can ask you. I was just asking. And which way you? How? Comment est-ce que vous authentifiez? Comment est-ce que vous identifiez les patients? Quelle est la technologie que vous utilisez? Quelles sont les applications peut-être que vous utilisez? Merci pour cette question. Alors, nous utilisons la technologie KIC pour informer les patients en milieu hospitalier. Oui, vous devez parler au micro hein, pour que les interprètes entendent. Oui, la technologie normale, KYC,
pour les patients en milieu hospitalier. Ou commentaires ou félicitations. Aucune sur nos deux lauréats. Ah, pardon, madame. Hop, on vous apporte le micro tout de suite. Bonjour, c'est une félicitation, mais aussi une question sur le programme qui a été présenté de téléconsultation. Je comprends bien qu'il y ait un dialogue avec les professionnels de santé. Quels sont les éléments cliniques que vous pouvez prendre, la pression artérielle, une auscultation cardiaque, pulmonaire? Est-ce que vous avez des accessoires comme ça? Et d'autre part, dans votre projet, au-delà de la consultation, quelle est l'organisation de la prise en charge, par exemple, pour l'accès des médicaments dans le cadre de votre projet et pour la pérennité du programme? Merci. Alors, nous commençons avec le coordinateur, comme je l'ai dit plus tôt. Nous avons les téléphones, les tablettes et parfois aussi, nous prenons les signes vitaux. On écoute le cœur, on prend l'intention. Donc voilà, les coordinateurs sont formés pour faire cela. En même temps, pendant la téléconsultation, il y a les tablettes et les téléphones qui sont utilisés. Donc, les patients peuvent aller sur la plateforme, la base de données. Après la consultation, il y a la question des médicaments. Et nous avons un peu de financement également pour prescrire directement les médicaments aux patients. En même temps, on peut voilà, faire des analyses des bilans sanguins généraux. Alors, on n'a pas le financement pour cette partie de téléconsultation. Et donc, on peut être en lien avec certaines unités gouvernementales. Il y a certains départements, certaines unités gouvernementales qui ont un accord, un protocole d'accord, avec tous les détails de la téléconsultation qu'on leur fournit. Le patient peut aller directement les voir pour obtenir leurs médicaments. En même temps, il y a un autre département gouvernemental qui est disponible pour toute la juridiction. Et la téléconsultation est possible là aussi. En même temps, concernant la durabilité du projet, la pérennité du projet, il faut qu'il y ait une continuité dans les soins. La télésanté ne peut pas tout faire. Donc, ce que l'on fait, c'est les bilans sanguins élémentaires, les médicaments nécessaires, élémentaires, pour les cas graves, eh bien, on envoie le patient, on adresse le patient à l'hôpital ou aux urgences les plus proches pour la continuité des soins. Les patients doivent être intégrés dès le départ, hein, et qu'ils doivent suivre le parcours tout entier. Une question pour Pia du projet Atiban Plus. Alors c'est une question qui vient du duplex de Vinciane pour information qu'on a perdue. Il voulait savoir, lorsque vous avez développé la solution, comment avez-vous pris en compte les spécificités des minorités ethniques? Est-ce qu'il y a eu une approche sociale pour comprendre le fonctionnement? Sorry, that's the part that was a bit blurred. The end of the question. Pouvez-vous répéter la fin de votre question? Vous avez développé la solution. Comment avez-vous pris en compte les spécificités des minorités ethniques? Avez-vous une approche sociale pour essayer de comprendre leur fonctionnement et autres?
OK. Bien. Alors, si j'ai bien entendu, vous demandez si nous avons pris en compte les spécificités sociales des groupes ethniques. Eh bien, pour ce qui est de l'accès aux soins de santé pour ces communautés, ce que nous avons remarqué, c'est que la plupart des femmes, en fait, vont à la consultation avec leurs enfants, avec leurs frères, leurs sœurs ou leur mère ou leur belle-mère ou leur tante. Donc, leur état de santé, même si si ce n'est pas grave, enfin, on peut les traiter, les examiner, à condition qu'elles ne soient pas seules. Et ce n'est que dans le cas de douleurs graves ou qu'elles ont peur du diagnostic, c'est seulement à ce moment-là qu'elles vont à la consultation. Ça, c'est les femmes. Les hommes, ils travaillent pendant la journée. Et la plupart du temps, c'est eux qui ont le spectre plus large d'état de santé grave. Ça peut être, par exemple, une blessure qui est infectée. Ils attendent 2 ou 3 semaines avant de consulter. Et à ce moment-là, la téléconsultation n'est pas suffisante. Il faut l'envoyer soigner sa blessure. Mais il ne veut pas aller aux urgences. Donc, après avoir écouté nos conseils, on lui donne des antibiotiques. Mais en même temps, on l'avertit. On lui dit que si l'infection ne disparaît pas au bout de 3 jours, il n'aura pas le choix, il faudra qu'il aille aux urgences. Donc voilà, c'est pour l'accès aux centres de santé des hommes. Ensuite, nos communautés ethniques ont leur propre culture. Normalement, ils viennent nous voir parce qu'ils ont des croyances particulières, et ils ne viennent nous voir que lorsqu'ils ont épuisé toutes leurs croyances. Can you hear me? Okay. Vous m'entendez? Alors, ma question, c'est pour ElSPAC. Si j'ai bien compris, vous utilisez la technologie blockchain pour rendre disponible, pour mettre à disposition les données aux patients pour 3 hôpitaux. À la suite de consultations électroniques. Quel type de données s'agit-il et quelles sont les contraintes que vous avez rencontrées en termes de réglementation et de type de données que vous pouvez partager? Avez-vous une certaine résistance de la part des patients qui ne veulent peut-être pas donner d'informations à leur sujet? Est-ce que vous avez rencontré ce type de contraintes? Oui. En effet, nous avons rencontré des difficultés qui ont dû être résolues conformément au règlement général de protection des données, à la confidentialité. Il a fallu travailler avec le gouvernement et pour qu'il approuve notre système et notre technologie pour que nous puissions bien gérer la question de la confidentialité et de la sensibilité des données patients. Alors, nous avons eu l'assistance des prestataires également de différents hôpitaux, surtout du secteur privé. Nous avons eu des difficultés de leur part parce qu'ils ne voulaient pas partager les données. Voilà pourquoi nous avons commencé par cet hôpital qui est également un hôpital universitaire. Et il y a 3 hôpitaux différents, mais ils font partie du même réseau. Voilà pourquoi ils pouvaient partager les données. Mais dans le secteur privé, nous éprouvons encore beaucoup de résistance. Hein. Nous rencontrons beaucoup de résistance.
ils ne veulent pas, ils ne veulent montrer à personne les dossiers patients. Cette journée, puisque c'est la fin de cette première partie de la conférence 2024 de l'Observatoire de la santé dans les pays du Sud. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Et ils étaient nombreux partout dans le monde.